Shalom, shalom, chers révolutionnaires, que le Dieu d'Ésaïe 45, le verset 2, manifeste fortement sa force, manifeste sa puissance et manifeste sa magnificence dans votre vie, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. C'est votre accompagnateur spirituel RMK et nous nous retrouvons pour le combat spirituel. Chers révolutionnaires, tant que nous sommes sur terre, l'ennemi cherchera toujours à multiplier des stratégies, des méthodes, des tactiques pour que notre vie ne puisse pas être productive, pour que nous puissions vivre selon le dessein du diable. Chers révolutionnaires, nous sommes connectés pour le combat spirituel. Nous allons prendre Zacharie, le chapitre 5, du 1er au 4e verset. Nous parlerons et nous allons utiliser l'arme efficace et dangereuse qui est le mystère de rouleau volant. Chers révolutionnaires, la Bible déclare que prenez toutes les armes de Dieu pour le combat, pour résister le jour du combat. Nous sommes, chers révolutionnaires, dans Éphésiens chapitre 6, le verset 13e. C'est pourquoi la Bible déclare, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Et dans le 11e verset, la Bible dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. Et le mystère de rouleau volant est une arme exceptionnelle, est une arme mystérieuse et une arme dangereuse. Zacharie, le chapitre 5, du 1er au 4e verset. La Bible déclare, alors, je me retournai et levai les yeux et regardai, et voici. La Bible dit, et voici un rouleau volant. Et il me dit, que vois-tu? Et je répondis, je vois un rouleau volant, sa longueur de 20 coudées et sa largeur. Et il me dit, c'est ici la malédiction qui s'étend sur la face de toute la terre, car quiconque vole sera retranché comme de ce côté selon cela, et quiconque jure sera retranché. Je la ferai sortir, dit l'Éternel des armées, et elle entrera dans la maison du voleur et dans la maison de celui qui jure faussement par mon nom. Elle demeurera au milieu de sa maison et elle consumera avec son bois et ses pierres. Le mystère de rouleau volant qui est une arme efficace pour le combat spirituel. Cette arme est si profonde et cette arme, c'est une arme qui est véhiculée par les anges qui n'ont aucune pitié. Nous vous invitons ainsi à rechercher sur YouTube le mystère de rouleau volant, prière révolutionnaire, et vous allez voir l'explication pour une meilleure compréhension sur le mystère de cette arme, car c'est une arme qui est véhiculée par les anges qui n'ont aucune pitié. Et lorsque la Bible parle dans Zacharie, nous pouvons voir Zacharie qui dit, je vois un rouleau volant. Et c'est ainsi, on lui répondit que c'est ici la malédiction. Le rouleau volant, cher révolutionnaire, est une arme de malédiction, est une arme utilisée pour répandre la malédiction en masse, la malédiction de l'Éternel des armées.
car trop c'est trop et assez c'est assez. Nous devons nous lever et prendre toutes les armes de Dieu. Nous ne devons pas ignorer aucune arme. Nous devons prendre toutes les armes pour le combat spirituel, pour s'élever contre tout celui qui maudit votre vie, pour s'élever contre tout celui qui a maudit vos affaires, s'élever contre tout celui qui a maudit votre santé, qui a maudit toute votre famille, qui a maudit la lignée de toute votre famille. Et nous allons utiliser cette arme exceptionnellement dans la grâce et dans la faveur de Dieu. Voici les orientations puissantes, les orientations exceptionnelles. C'est un programme de 14 jours de prière. 14 jours de prière que vous allez faire avec cette prière. Seulement, cette prière est à faire à 6 heures et à minuit. Ce sont les 2 heures, le moment qu'il faut faire cette prière. 6 heures juste et minuit juste pendant 14 jours avec jeûne de 0 heures à 15 heures selon si vous n'êtes pas sous prescription médicale. 6 heures et minuit pile pour cette prière. Et pour cette prière, nous aurons besoin de l'huile d'onction. Et nous aurons besoin, chers révolutionnaires, de 4 papiers duplicateurs. Je répète encore, nous aurons besoin de l'huile d'onction, du manteau prophétique et de 4 papiers duplicateurs. Pourquoi 4 papiers duplicateurs? C'est une orientation spécifique que nous vous donnons pour cette prière. 4 papiers duplicateurs que pendant la prière, que vous allez commencer à jeter, mettre le 4 papiers duplicateurs et mettre de l'huile d'onction en priant sur le papier duplicateur. Et après avoir terminé la prière, vous allez couvrir cela, mettre cela ensemble et mettre cela, couvrir cela par le manteau prophétique. Et le 15e jour, après avoir fini ce programme, chers révolutionnaires, voici l'orientation et que veuillez entrer avec le ministère en privé lorsque vous voulez entrer dans ce programme. Et nous vous indiquerons le 15e jour ce que vous devez faire avec ces papiers duplicateurs, que vous ne devez rien écrire. Et spirituellement, de choses puissantes et merveilleuses se feront, de choses qui vont s'écrire. Le rouleau volant sera manifesté. Veuillez entrer avec le ministère en privé pour avoir des orientations plus précises en ce qui concerne cette arme mystérieuse. Si les éléments des services sont déjà réunis, vous pouvez ainsi prier ensemble avec moi. Déclarer ensemble avec moi, Père éternel, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Vous pouvez répéter après moi, par cet acte divin, moi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé. Je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Vous pouvez encore déclarer après moi, Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Vous pouvez répéter après moi, toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Avec force en Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable,
Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il le fuira par sept chemins. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais. Vous pouvez encore le dire avec force en Jésus-Christ. Je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Un nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Vous pouvez maintenant prier ensemble avec moi. Déclarez cela. Ô Éternel, Éternel des armées, Éternel puissant dans le combat, le plus redoutable d'entre tous les dieux, le plus puissant d'entre tous les dieux, le plus grand de tous les dieux, de toutes les divinités existantes, de tous les esprits existants, Éternel, tu es le plus grand, le plus redoutable, le plus fort, un nom puissant et précieux de Jésus. Vous pouvez répéter après moi maintenant. J'entre dans ton arsenal divin, dans l'arsenal de l'Éternel des armées, dans l'arsenal de Jéhovah Sabaoth, le vainqueur de vainqueurs. J'entre dans ton arsenal et je prends le rouleau volant et je déclare maintenant que le cieux libère le rouleau volant pour imposer le respect. Chers révolutionnaires, le respect doit s'imposer dans votre vie. Vos ennemis doivent commencer à avoir peur de vous. Et nous avons reçu un témoignage, une révolutionnaire qui témoignait en disant que les ennemis qui me faisaient peur commencent à avoir peur de moi. Oui, c'est cette dimension qu'au travers de cette prière, que le Dieu d'Ésaïe 45, le verset 2, vous amènera dans la dimension où les situations et les ennemis qui vous faisaient peur commenceront à avoir peur de vous. Vous pouvez déclarer après moi que le ciel libère le rouleau volant pour imposer le respect, pour imposer le respect dans ma famille, pour imposer le respect dans le domaine spirituel. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que le ciel libère le rouleau volant pour imposer le respect, pour imposer la délivrance de toute malédiction familiale, de toute malédiction générationnelle, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Vous pouvez répéter encore avec force, ô rouleau volant, lorsque vous priez ces révolutionnaires, prenez ces quatre papiers duplicateurs, vous pouvez les toucher et oindre de l'huile d'onction. Après avoir oindre l'huile d'onction, vous pouvez tenir ces quatre papiers duplicateurs et qui sont représentés spirituellement comme étant le rouleau volant. Vous pouvez déclarer après moi avec force, ô rouleau volant, soyez libéré, soyez libéré, soyez libéré contre mes adversaires, contre tout celui qui a placé le malédiction dans mon nom. Chers révolutionnaires, vous ne savez pas
que votre nom est attaché à une malédiction, que vous ne savez pas que votre nom est attaché à une malédiction, vous ne savez pas que votre nom est attaché à une divinité, vous ne savez pas que votre nom est attaché à une certaine manière de faire, de sorte que la maladie arrive, de sorte qu'à un certain âge, en un certain moment de l'année, vous devez être malade, qu'en un certain moment de l'année, vous devez être chaos dans vos affaires, qu'en un certain moment de l'année, on doit vous voler de l'argent, que c'est chaque année, tous les deux ans, que cela se répète. Vous pouvez répéter après moi que tout celui qui m'a introduit dans le trou de la malédiction, que toute parole, toute incantation, des rituels maléfiques qui m'ont introduit dans le trou de la malédiction, dans le trou du désespoir. Chers révolutionnaires, lorsque vous regardez votre vie, est-ce qu'il y a encore de l'espoir? Lorsque vous regardez tout ce qui vous entoure, de choses que vous devez accomplir, mais que jusqu'à présent cela, il n'y a pas encore le moyen potentiel pour accomplir cela. Le diable vous a placé dans le trou du désespoir, dans le trou du désespoir, au fin fond de la terre, dans le désespoir, dans le noir, dans la malédiction qui vous retient et vous empêche de vivre la gloire de Dieu. Vous pouvez déclarer après moi, ô rouleau volant, déclarez que sur ces papiers duplicateurs, que les anges qui n'ont aucune pitié viennent. Vous pouvez déclarer encore avec force, come on, que sur ces papiers duplicateurs, que les anges qui n'ont aucune pitié, aucune compassion, chers révolutionnaires, il y a ces types d'anges qui n'ont aucune compassion. L'Éternel dit à Moïse, « Moïse, vous devez placer le sang sur vos linteaux. Parce que si vous ne placez pas le sang sur vos linteaux, l'ange frappera. Bien que vous êtes mon peuple, vous êtes d'Israël, mon peuple, que j'ai fait alliance avec Abraham, si vous ne placez pas le sang, l'ange entrera dans votre maison. Des anges qui n'ont aucune pitié, aucune compassion. Les anges qui ont détruit Sodome et Gomorre. Ou lorsque Dieu voulait détruire cela, il voulait même détruire avec le neveu d'Abraham. Si Abraham n'avait pas supplié, son neveu allait aussi être détruit dans Sodome et Gomorre. Que tout celui qui veut votre destruction, que les anges qui n'ont aucune pitié viennent écrire leur nom, écrire leur situation, écrire leur adresse sur le rouleau volant, écrire de malédiction de l'Éternel contre eux. Tout celui qui vous a placé dans un cycle de répétition de malédiction, que les anges de l'Éternel qui n'ont aucune pitié et compassion viennent écrire leur nom, viennent écrire leur nom et après leur nom, le malédiction attachée, le malédiction divine, car l'Éternel est en train de vouloir maudire tout celui qui a maudit votre vie. Vous pouvez répéter après moi, ô rouleau volant, que les anges qui n'ont aucune pitié viennent écrire des sentences célestes, des arrêtés divins. Chers révolutionnaires, le ciel a arrêté, le ciel a décrété, le ciel a décrété et trop c'est trop. Vous pouvez déclarer après moi que les anges qui n'ont aucune compassion viennent écrire des arrêtés divins, les décrets célestes contre tout celui qui en veut à ma vie, tout celui qui a son mot à dire dans ma destinée, contre tout celui qui exerce son autorité dans ma vie, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Vous pouvez déclarer après moi que tout pharaon, tout Goliath, tout celui qui maudit ma vie, je viens contre vous avec le rouleau volant. Je viens contre vous avec le rouleau volant. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ,
Que le mystère du rouleau volant défende ma part. Vous pouvez encore le dire avec force. Que le mystère du rouleau volant défende ma part. Vous pouvez encore le dire avec puissance. Que le mystère du rouleau volant défende ma part. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, j'invoque le pouvoir du rouleau volant pour arrêter toute malédiction, pour renoncer sur ma vie, pour renoncer sur mon année, pour renoncer sur mon moi. Vous pouvez déclarer encore avec force et détermination, j'invoque le pouvoir du rouleau volant pour arrêter toute malédiction en cours, pour arrêter tout le projet maléfique en cours, pour arrêter tout le projet maléfique en cours. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, vous pouvez encore déclarer avec force, j'invoque le pouvoir du rouleau volant pour arrêter toute arrestation que le diable a planifiée pour mes finances. Chers révolutionnaires, vous ne savez pas que le diable a planifié que vos finances puissent être arrêtées. Le fait que vous puissiez monter, le diable n'est pas content. Et ainsi, il planifie le projet pour arrêter votre progression. Vous pouvez déclarer, j'invoque le pouvoir du rouleau volant, la puissance du rouleau volant pour arrêter mon arrestation. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Vous pouvez encore le dire avec force, que le ciel, dans le ciel, sur la terre, dans l'eau, dans le quatre vecteurs de la spiritualité. Vous pouvez déclarer avec force. Et lorsque vous déclarez cela, vous pouvez tenir ces quatre papiers duplicateurs. Dans le ciel, sur la terre, dans l'eau, dans la forêt, sous la terre, dans le quatre vecteurs de la spiritualité. Vous pouvez déclarer que le rouleau volant vole, récupère mes biens qui ont été volés, mes biens qui ont été usurpés, mes bénédictions usurpées, dans le ciel, sur la terre, dans l'eau, dans la forêt, dans le quatre vecteurs de la spiritualité. Que mes biens volés, mes biens usurpés, ma place, ma promotion volée, mon siège volé, que cela soit récupéré. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, le rouleau volant du ciel. Vous pouvez encore le dire avec force et détermination. Le rouleau volant du ciel, maintenant confondez chaque couverture assignée contre ma destinée. Le rouleau volant du ciel, confondez chaque couverture assignée contre mon travail. Confondez chaque couverture assignée contre mes finances. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, vous pouvez encore répéter avec force et détermination, le pouvoir du rouleau volant surgit maintenant. Le pouvoir du rouleau volant surgit dans ton pouvoir mystérieux. Vous pouvez le dire avec force et détermination, le pouvoir du rouleau volant surgit dans ton pouvoir mystérieux et disperse mes oppresseurs. Disperse mes oppresseurs, disperse tout esprit maléfique attaché à ma vie, attaché à mon nom, attaché à mon sang, disperse-le maintenant. Le pouvoir mystérieux du rouleau volant surgit maintenant, vole et va localiser la tête, les cheveux tous mes persécuteurs, et le rouleau volant tombe sur leur tête, afin que toute parole déclarée contre moi retombe sur leur tête, que sur leur tête retombe l'iniquité de leurs lèvres.
au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Maintenant, chers révolutionnaires, vous pouvez pointer le ciel, s'il vous plaît. Vous pouvez pointer le ciel en regardant le ciel et déclarer après moi, « Ô cieux, libère le rouleau volant dans le domaine spirituel et physique. Libère le rouleau volant pour imposer ma liberté, pour imposer le respect, pour imposer la délivrance de toute bonne chose qui m'a été volée au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. » Vous pouvez encore dire avec force, « Aux cieux, libère le rouleau volant pour imposer ma délivrance totale, pour imposer ma délivrance totale au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que le malédiction terrible de l'Éternel des armées se répandent dans le camp de mes adversaires. » Vous pouvez déclarer après moi, le rouleau volant traverse le royaume physique comme spirituel, afin que tu puisses aller dans leur réunion maléfique, dans le camp de l'ennemi. Rouleau volant, vas-y, vole. Et maintenant, jusque dans leur réunion maléfique, localise cela. Et dans leur réunion maléfique, tombe sur leur tête. Et que la malédiction de l'Éternel soit ancrée sur eux. Tous ceux qui veulent me voir mourir, tous ceux qui veulent voir mes affaires mourir, tous ceux qui veulent voir mes enfants mourir, le rouleau volant, charge-toi d'eux. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, charge-toi au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Vous pouvez déclarer encore avec force après moi, le rouleau volant localise et détruit tout ennemi et adversaire de ma destinée. Détruit tout ennemi et adversaire de mes finances. Le rouleau volant bombarde chaque rassemblement maléfique assigné contre moi pour la nouvelle année. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Vous pouvez déclarer après moi, le rouleau volant localise chaque ennemi caché de mon âme par ton pouvoir mystérieux au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Vous pouvez déclarer après moi, où est le Dieu d'Élie? Vous pouvez déclarer après moi, le Dieu de Zacharie. Zacharie qui a vu dans la vision le rouleau volant. Vous pouvez déclarer après moi, le Dieu de Zacharie, où es-tu? Que le rouleau volant que Zacharie a vu commence à agir dans ma vie. Au nom de Jésus, que cela puisse poursuivre mes poursuivants entêtés et mes oppresseurs. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, par le pouvoir mystérieux du rouleau volant, que chaque pouvoir maléfique m'étirant dans l'obscurité, m'étirant dans le trou de la malédiction, que le rouleau volant maintenant puisse agir. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, vous pouvez déclarer après moi, Éternel, Jéhovah Sabaoth, le Dieu d'Ésaïe 45, le verset 2, lève-toi dans le tonnerre de ta puissance et paralyse mes oppresseurs. Lève-toi dans le tonnerre de ta puissance et paralyse cette maladie. Cher révolutionnaire, vous êtes malade. Après ces moments de prière, c'est votre guérison qui va découler. Vous êtes malade. Après ces moments de prière, la maladie est paralysée. Vos adversaires sont paralysés. La maladie dans vos cellules sont paralysées. Les symptômes dans vos cellules sont paralysés. Les symptômes, il n'y aura plus de symptômes de maladie dans votre corps. Il n'y aura plus de symptômes dans votre sang. Il n'y aura plus de symptômes. Même dans la radio, ils ne verront plus quelque chose. Car l'Éternel, le Dieu Sabaoth, il se lève dans le tonnerre de sa puissance et paralyse vos oppresseurs, paralyse cette maladie au nom puissant
et précieux de Jésus-Christ. Vous pouvez encore déclarer après moi, le buveur de sang et le mangeur de chair. Écoutez la parole de l'Éternel. Recevez maintenant le rouleau volant sur votre tête. Ô rouleau volant, lève-toi et répands la malédiction dans le camp de mes ennemis. Vous pouvez répéter après moi, ô rouleau volant, bombarde chaque rassemblement maléfique assigné contre mon avancement, contre ma progression, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Vous pouvez encore déclarer avec force après moi, que le rouleau volant poursuive, me poursuivant entêté, le buveur de sang, le mangeur de chair, écoutez la parole de l'Éternel. Recevez le rouleau volant sur vos affaires, que cela retombe sur votre tête et que cela répande la malédiction de l'Éternel. Vous pouvez déclarer après moi que le rouleau volant se lève, puisse voler et puisse combattre pour moi. Vous pouvez déclarer après moi que tout pouvoir qui me tire déchu, qui me tire en dessous, depuis le ténèbre, reçoive maintenant le rouleau volant. Le rouleau volant est une arme qui est véhiculée par les anges qui n'ont aucune pitié, aucune compassion. Vous pouvez déclarer après moi, rouleau volant, vole maintenant dans le tonnerre de ta puissance, dans le tonnerre de ton pouvoir mystérieux, et paralyse mes oppresseurs, paralyse cette maladie, paralyse ces problèmes dans ma vie, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Chers révolutionnaires, cette prière qui est à faire seulement à 6 heures juste et à minuit juste pendant 14 jours. Et lorsque vous entrez dans ce programme, veuillez entrer avec le ministère en privé pour des amples informations. Nous vous indiquerons qu'est-ce que vous devez faire avec le papier duplicateur qui représente le rouleau volant. Chers révolutionnaires, dans la grâce de Dieu, vous pouvez entrer avec le ministère en privé par le numéro de modératrice, le numéro des accompagnateurs spirituels qui seront dans la vidéo, dans la description de la vidéo. C'était une puissance exceptionnelle d'être ensemble avec vous. Nous vous invitons à vous abonner sur nos chaînes de la prière révolutionnaire, prie avec RMK, qui est aussi l'une des chaînes de la grande famille révolutionnaire, à vous abonner et à liker la vidéo. Quel moment exceptionnel! Le mystère du rouleau volant est vivant. Le Dieu du rouleau volant est vivant. Et vos adversaires sauront que le respect doit s'imposer. Et vos témoignages exceptionnels sont sur votre route. Votre accompagnateur spirituel RMK. Shalom chez vous.